la folie? Oui, il m'aime à la folie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un rideau. Mina, c'est une catastrophe. Arrête, je suis sûre que tu t'inquiètes pour rien. Peut-être que le soleil le gêne. Mais il est couché, le soleil. Ok, mais ne commence pas à déprimer, hein. Et si ça se trouve, il lui joue un morceau de guitare. Oh non, j'imagine la scène. Elle l'écoute, elle est sous le charme, elle s'approche de lui et elle... Oh, c'est officiel, je déprime. Mais enfin, Lou, réfléchis un peu. Tristan et Solène, ils ne sont pas dans le même monde. Elle, ce qu'elle aime, c'est le rouge à lèvres pailleté et les potins de star. Elle fait aussi du karaté, je te signale. Ok, mais avant tout, elle adore les soirées pyjama. Mina, t'es géniale, hein? Je t'expliquerai plus tard. Hé, hey, Lou, t'es là? Oh, Lou! Maman, je te dérange pas? Tu travailles? Le poste fin de niveau, c'est le poste fin de niveau. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. C'est bien ça, ma chérie. Tiens, prends ça, toi. Je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup d'amis. Et ça, c'est pas bon à mon âge. Oui? T'as cru m'avoir, hein? Tête de poule. Donc, j'ai décidé d'inviter les filles de ma classe à une soirée pyjama. Yes! Je t'ai eu, gros naze. T'es d'accord? Hein? De quoi? Une soirée pyjama? Oui. Et c'est une super idée, ça. On pourra faire des pop-corns au micro-ondes et regarder un film d'horreur et... Maman, les soirées pyjama, a priori, c'est sans les adultes. Ah bon? Oh? Oh non, je t'en supplie, Loulou, t'invite-moi. Je me ferai toute petite, j'ai toujours rêvé de participer à une de ces soirées. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Salut, à plus. Ciao. Bon, alors, c'est quoi déjà au juste mon idée géniale? Voilà, j'invite Solène à une soirée pyjama et au cours de la soirée, on joue à Action Vérité. Et là, je lui pose la question: que faisais-tu chez Tristan jeudi soir? Et elle est obligée de répondre. Tadam! Sauf si elle choisit Action. On lui laissera pas le choix. T'as raison, ce plan est totalement génial. Reste à l'inviter. Il y a vraiment des jours où je m'épate, moi. Voilà, tu sais tout. C'est marrant. Je savais pas que tu aimais les soirées pyjama. Ben, en fait, si. Alors, Solène, ça te dit? Moi, je trouve que c'est une super idée. On n'avait rien prévu samedi. Mais c'est-à-dire que je pensais... On arrivera vers 8h, hein, les filles. Ouah, génial, une soirée sans adultes. Sans adultes? Je pensais que... Ne nous dis pas qu'il y aura tes parents. Non, bien sûr que non. Bon, à samedi alors. Salut. Alors à samedi. Alors? Alors, on a trois problèmes. Petit 1, Solène vient, mais ses copines aussi. Petit 2, va falloir empêcher ses copines de parler à sa place. Petit 3, ma mère veut venir à la soirée. Et ça, c'est pas possible. Tu m'as pas dit que tes parents organisaient un truc samedi? Un dîner chicos avec les collègues de mon père. Mina, tu viens encore de me donner une idée géniale. Tu sais, je ne pense pas que ton père apprécierait qu'on invite une personne qu'il connaît à peine. Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, ma grande. Comment ça se fait que c'est toujours papa qui décide de tout? À 20h30, vous voulez que j'amène quoi? Rien, vous êtes sûre? Ben d'accord, alors... C'est vraiment gentil de m'inviter, je... Ok, à samedi alors. Lou, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah bon? J'ai accepté une invitation à dîner, la mère de Mina. C'est samedi en même temps que la soirée pyjama. Je pourrais pas être là, t'es pas trop déçue? Il faut accepter de voir un jour ses parents voler de leurs propres ailes. C'est dans l'ordre des choses. Je me demande parfois comment tu peux être aussi mature. Yes! Ah, vous voilà enfin, on n'attendait plus que vous. Oups, mince, c'était une soirée déguisée. Comment ça? C'est pas une soirée déguisée?
En tout cas, j'ai apporté de la musique. Vous avez vu les filles? J'ai un nouveau pyjama. C'est pas le même que la dernière fois? Non, l'autre, il était rose. Oh. Mais vous êtes cloche ou quoi? C'était pas le même rose. Super fun ta soirée, presque aussi fun qu'un enterrement. T'inquiète, je vais arranger ça. Hé, hey, les filles, et maintenant si on jouait à Action Vérité? Ah non, maintenant c'est pile le bon moment pour regarder un film et j'ai exactement ce qu'il nous faut. Vous permettez que je mette autre chose? Oui, oui, allez-y, évidemment. Vous n'êtes pas très rock, c'est ça? Le buffet est prêt. Je te félicite pour le choix judicieux de ton invité. En tout cas, elle est moins coincée que les tiens. Sympa le mini sandwich. J'ai lu son dernier livre, Il baisse. Sa vision du structuralisme dans notre société moderne est d'un vulgaire. J'aurais souhaité qu'il parvienne à dépasser la société moderne tout à la crème des intellectuels. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Mais rien, mon chéri. Voudrais-tu passer le reste de tes jours à mes côtés, douce Amandine? Je ne sais pas, car tu n'es qu'un simple palefrenier. Dites, les filles, ça vous dirait pas plutôt un bon film d'horreur? Plus fort que mon père, il est très musclé. Tu vas mourir, petite boule de mozzarella maudite. Je n'ai pas du tout dit mon dernier mot, mini tomate des enfers. Oh, flûte. Ma vieille, il ne faut pas te voiler la face. Tu passes la soirée la plus lourdingue de toute ta carrière d'être vivant. Un amazing hand. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aimerai toujours. C'est beau comme du vernis à ongles à paillettes dorées. Oh, et tellement romantique. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bataille de Colochons. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai claqué! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est un flipper de collection. Robert interdit formellement d'y toucher. Tu veux dire qu'il a un flipper mythique comme ça chez lui et qu'il ne joue jamais avec? Évidemment, quelle idée! Tu veux pas essayer? Allez, juste une petite partie! Bon! Y'en a marre! Maintenant, on joue à Action Vérité, sinon je réponds plus de rien! Bah, tu vois, quand on leur parle gentiment... C'est vrai que c'est rigolo comme tout. Ne me dis pas que c'est la première fois que tu y joues. Eh bien, si. Mais tu faisais quoi au collège après les cours? Mes devoirs. D'accord, ça devait pas être très marrant ta vie d'ado. C'est ce que je commence à me dire, effectivement. Hé, Ola, derrière vous, mon chat. Alors, Solène, Action ou vérité? Vérité. Parfait, voyons. Qu'est-ce que je pourrais bien te demander? Attends. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais jeudi soir chez Tristan? Bah, Tristan avait besoin de mes conseils en maths parce que je suis la première, alors je suis montée chez lui pour l'aider. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Et les rideaux? Pourquoi est-ce qu'il a tiré les rideaux? C'est moi qui lui ai demandé. Je voulais les voir en entier. Ils sont ridicules. Il y a des petites guitares dessinées dessus. Je le savais. Il aurait pas pu me faire ça. Pourquoi? T'es amoureuse de lui?
Rien ne m'oblige à répondre à cette question. Je choisis action. Ok, alors moi je dis que tu dois téléphoner à Tristan et lui dire que t'es amoureuse de lui. Allez, dehors. Mais enfin, et la soirée pyjama, tu peux pas l'arrêter comme ça? Bien sûr que si, je peux. On n'a qu'à dire que c'est mon gage. Tu assures au baby-foot, dis donc. Tu dis ça pour être sympa. Quand je joue au baby, je suis jamais sympa. Lou, qu'est-ce qui se passe? Un problème? Joss, ça te dirait une petite soirée pyjama? C'est-à-dire que... Et la soirée de Robert? Les invités... C'est toi qui vois. Tu sais quoi, maman? Tristan a des rideaux avec des guitares dessinées dessus. Génial. J'adore. Moi aussi. Un zombie! Ha 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 ha